Vous savez que dans ce moment où les choses sont un peu compliquées, où les uns et les autres s'attaquent, je parle des différentes puissances, où il y a la guerre en Ukraine, others are taking side, some don't want to take side, some are non-aligned, and some are openly friendly to others and support their friends with arms, technology. Russia, as is in the case with the West, is fortifying its friendship with its allies. Je parle là, les amis, de la Corée du Nord. Salut les amis, bienvenue. La Corée du Nord a toujours été un allié de la Russie. Il y a 70 ans, il y a eu ce déclenchement de la guerre de Corée où les Américains ont soutenu les amis du Sud et les Russes ou l'Union soviétique a soutenu la Corée communiste, et les Chinois aussi étaient entrés en guerre pour soutenir cette partie parce que les Chinois ne voulaient pas qu'un pays sous l'influence américaine soit collé à leurs frontières. Ça fait 70 ans aujourd'hui, et vous avez vu que la Corée du Nord a développé les armes pour sa propre protection. Et le président Kim, qui a fréquenté en Suisse, a dit clairement qu'aujourd'hui, aucun président américain digne de ce nom ne peut réfléchir sur attaquer ou comment attaquer la Corée du Nord. Parce que ils ont des missiles qui portent les charges nucléaires qui peuvent atteindre les territoires américains. C'est un fait, c'est clair, c'est là, tout le monde peut vérifier cela. Et tout le monde sait que c'est grâce à la technologie russe, avec l'aide chinoise, que tout ça est possible aujourd'hui. Donc, le ministre russe de la Défense, il s'appelle Sergei Shoigu. Le général d'armée Sergei Shoigu a fait un déplacement hier en Corée du Nord où il a rencontré le général d'armée Kang Son-nam. J'aime ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur nom, leur patrimoine, c'est-à-dire que leur patronyme, c'est leur nom, pas comme nous, on met les noms chrétiens, judéo-chrétiens partout sur les enfants, comme c'est ça qui va faire en sorte qu'on voit le salut ou on part au ciel. Non. On peut porter nos noms et être digne et aussi prêcher, être croyant. Il est écrit nulle part que nous devons changer nos prénoms, que nous devons donner les prénoms judéo-chrétiens à nos enfants. Dans les Russes, les Coréens, les Chinois et tout, ben, il y a des chrétiens parmi, mais ils n'ont pas des noms de Moses, a fait ceci, Pierre, Peter, James, Zéphania et tout ça, ils n'ont pas tous ces noms-là. Bon, nous les Africains, on aime porter les choses sur la tête. Le général Shoigu, Sergei Shoigu, est arrivé et a rencontré le ministre de la Défense de la République populaire démocratique de Corée, le général d'armée Kang Son-nam. Et c'était quoi? C'est pour célébrer les 70 ans de la guerre. Et pas que. Et essayer de signer d'autres partenariats, signer des accords de coopération entre ces deux pays-là. Et Shoigu a présenté sa présence en Corée du Nord comme une opportunité pour les deux pays. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo. Shoigu parle en russe et le général Son-nam parle en coréen, mais c'est sous-titré en français. Et je vais essayer de lire pour vous, les amis. On va écouter. Благодарю за радушный Il dit теплый merci de прием, votre рад chaleur встрече и accueil, il fait знакомству votre с вами. connaissance, j'ai profité de Благодарю, что l'invitation à visiter воспользовался le pays, вашим capitale de ce приглашением pays ami. посетить Пхеньян, столицу дружественного Nous sommes нам reconnaissants государства. à nos amis d'avoir Признателен élaboré un корейским programme друзьям très за riche pour предложенную les premiers насыщенную ministres. программу. J'ai ressenti votre С sollicitude et первых votre manque минут d'attention. ощутил Nous вашу avons la заботу possibilité de и ваше внимание. travailler intensivement Возможно, не concernant notre только culture, активно tradition поработать, но и узнать et много vos интересного monuments. о Корейской La Corée, Народно-Démocratической ma visite au Республике. lieu de la cathédrale, Вашей 70 культуре, ans. En традиции fait, c'est et un peu rapide, hein? Le достопримечательности. peuple coréen dans Мой визит сюда la проходит province в дни sanglante de празднования l'année 75-летия 53. победы корейского Et vous savez que народа c'est l'Union в soviétique Отечественной qui avait освободительной войне. aidé В кровопролитных боях président coréen à 1950-1953 l'époque, le grand-père de годов l'actuel président, Корейская Народная Армия et под les Chinois командованием aussi avec товарища les Ким Ир hommes sur Сена le terrain. одержала историческую победу Donc, над сильным il y a et quelques жестоким mots, il est en врагом. train de parler de cette Послевоенный период confiance, de наше l'accueil, взаимодействие d'échange.
осуществлялось des délégations, le travail военных pour кораблей, la paix et la официальные визиты высокопоставленных dans представителей de la оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров, все это способствовало сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове. Корейская Народно-Демократическая Республика – важный партнер России, который нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Управленный комитет Трудовой партии Кореи придает огромное значение на организационные работы, связанные с визитом российской военной делегации во главе с обороны товарищем Шойгу, и уделяет этому большое внимание. Dans sa conquête des différents territoires dans le monde, dans son pillage, parce que c'est toujours eux qui ont raison. Oui, but the tides are changing. The tides are changing, things are changing. You better accept it, because there's no return. No return to the situation we find ourselves in. People need to be free. People need to choose who is their friend and who is their enemy. They need to choose who to cooperate with. They must not take orders from Washington or from Brussels. No, 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 no. So this cooperation between North Korea and Russia is for the interest of the Russian and the Korean. They have a mutual interest there. So who are us to be like condemning it or to be calling for them not to meet and stuff like that? When the others meet, do we condemn? Do we interrogate? Do we want to understand what is taking place there? No. So there is a war. We live in the global village. On choisit nos amis et les amis de la Russie, on les connaît déjà. Il y a la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, l'Afrique du Sud. Bref, l'Afrique avec des vrais leaders, pas ces dirigeants dirigés, chers amis. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Je voulais parler de cette visite de Sergei Shoigu, le général d'armée Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe et le général d'armée de la République populaire démocratique de Corée, qu'on appelle Monsieur Sun Nam. Thank you for watching. Bye bye for now.